Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, en fait, c'est la deuxième partie d'une vidéo que j'ai tournée il y a quasiment un an. De ça, la vidéo, c'était Expectations versus Reality sur la vie que je pensais avoir en Espagne. Et cette vidéo, pour être honnête avec toi, j'aurais dû la tourner il y a plusieurs mois de cela. J'avais dit genre 4-6 mois après mon arrivée ici, qui était en août. Et bah j'ai oublié, voilà, mémoire de merde. Et donc sinon, donc pour ceux qui ne le savent pas, avant j'habitais à Londres, j'y ai habité pendant 6 ans. Et maintenant j'habite à Barcelone et ça fait depuis fin juillet, je suis arrivée le 29 je crois, donc on va dire depuis août. Ouais, donc ça fait quasiment 10 mois, ça fait quasiment un an que je suis là. Que le temps passe vite. Il s'en est passé des choses en 2020 dis donc. Coronavirus. Et donc sans plus tarder, je vais lire depuis mon machin, parce qu'au début je pensais faire un truc du genre, moi je regarde la vidéo et je commente, mais en fait non, ça va être trop long. Et donc la première, le point d'enfant, le truc qui saute aux yeux quand t'habites 6 ans à Londres et que t'habites 6 ans en Angleterre, c'est bien sûr la météo, parce que la réputation de ce pays est vrai, il fait gris très souvent, pour ne pas dire quasiment tout le temps. On a un été qui est, ma foi, pas mal, mais qui est très 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 court, genre il dure deux semaines. Et il y a quelques jours d'été jusqu'à septembre qui se ramènent comme ça des fois en secrète. Mais sinon non, il pleut, il fait moche. Et là à Barcelone il fait beau. Bon, aujourd'hui c'est le calme avant la tempête parce que demain il y a l'orage. Mais il fait plus beau, je suis arrivée en été, il faisait carrément, c'était un vrai été, ça a duré jusqu'à... Je crois que j'ai pas mis un vrai manteau jusqu'à décembre hein, quand même. Il fait donc plus beau, par contre il fait vraiment très chaud, il fait très très humide. Et ouais, bref, il fait plus beau, je suis géniale. C'est génial, je suis tellement contente d'avoir déménagé ici. C'est génial pour... Oh oui, aussi j'habite... Vu que j'habite à Barcelone, j'habite à pas très loin de la mer. Je peux y aller à pied si je veux, c'est génial. J'adore hein, la mer contre la Thames. Oh là là. Et... Bref, deuxième expectation que j'avais, c'était que la nourriture allait être meilleure et que j'allais manger plus de fruits et de légumes. Et puis bah c'est vrai, reality check, c'est vrai, la nourriture est beaucoup plus meilleure, c'est pas très français, on s'en fiche. Donc la nourriture est beaucoup plus meilleure qu'à Londres. Les fruits et légumes ont une qualité plus haute que celle de Londres. Par exemple, moi je faisais mes courses à Tesco's. Et à Tesco, en prenant l'exemple des fameuses tomates salades qui sont donc par-ci, dans un petit sachet en plastique. Une fois, je me souviens, j'avais oublié que j'avais acheté. Et ça faisait, je crois, ben 2 semaines. Les tomates étaient à peine mûres, quoi. Et là, t'achètes, il faut les manger vite. Et voilà, il y a moins de pesticides parce qu'évidemment, ça... C'est cultivé dans un pays où il fait plus soleil et du coup c'est un meilleur goût et du coup c'est... Bref, c'est chouette, on adore. Et oui, je mange plus de fruits et légumes parce que pendant un moment j'avais arrêté. Troisième expectation, c'est que les gens seraient plus relax. Et c'est vrai, les gens sont un peu plus relax. Non, pas un peu plus, voire carrément relax. Parfois un petit peu trop. Mais c'est... Franchement, c'est à la cool quoi. C'est... Comment dire... j'ai pas expression en espagnol, mais en gros c'est pas ni problème. Voilà, c'est... Je ne vais pas faire créole, c'est la seule expression que je connaisse. Avec une autre qui, franchement, sur YouTube, ne voit pas dire parce que c'est assez vulgaire. Et sinon, bah, les gens sont plus relax. Comparé à Londres, c'est plus... peut-être, je sais pas si c'est la météo, c'est juste la culture. Mais genre, ils sont plus relax, plus zen. Ils vivent leur vie. Sauf que parfois, ils vivent leur vie en s'occupant un peu trop des autres. Donc ça, c'est une expectation que j'... Enfin, une réalité, du coup. Que j'avais pas trop expected. Mais je savais un petit peu, mais les gens, et ça, le coronavirus, ça fait ressortir les gens. Les gens se mêlent parfois vraiment trop de leurs affaires. Genre, mais occupe-toi de ton cul. Je ne sais pas, enfin, non. Bref, les gens, c'est peut-être Franco qui leur a encore dans la tête. Quatrième expectation, oui, je ne sais pas compter. Reality check, c'était sur le salaire qui allait être un petit peu plus bas que celui qu'il y a à Londres. À Londres, moi j'étais sur le London Living Wage qui était mas o menos 10 livres à l'heure, je crois. Et dans mon dernier travail, il me semble que j'étais à 21 000, bref, quasiment 23 000 à l'année. Mon premier travail ici en Espagne, j'étais service client Airbnb, j'ai bien fait de changer. Si vous n'avez pas connu l'histoire il y a quelques semaines,
voilà, j'ai bien fait de changer de travail. Et j'étais donc service client pour le marché francophone d'Airbnb, j'étais à 16 500 à l'année. Là j'ai changé de poste pour être dans la vente, je suis account manager pour une boîte qui fait des goodies. Et je suis sans mes variables, sans mes commissions, j'allais dire consommation, bref. Donc sans mes variables, je suis à 20 000 euros à l'année avec, je suis, si j'ai touché tout, bien sûr, à 22 000. Donc c'est un petit peu moins, mais c'est quand même pas mal. Évidemment, les salaires vont dépendre des secteurs. Là, dans la vente, c'est plus élevé que le service secure de chez Airbnb qui nous payait un peu vraiment comme de la merde. Mais c'est toujours, par rapport à l'expectation que j'avais, c'est vrai. Les salaires sont un peu moins élevés, mais évidemment, ça dépend des secteurs. Et là, je ne sais pas compter, donc prochain point, les chambres petites. Je pensais que j'allais trouver une chambre petite. Et la chambre que j'ai, franchement, en taille, elle est très bien. Le premier Airbnb dans lequel je suis restée, je crois que je suis restée 3 ou 4 nuits. Et je l'ai pris pour 3 ou 4 nuits parce que j'avais déjà réservé des mois d'avance avant que j'arrive, bien sûr. Un mois d'Airbnb, un peu plus d'un mois d'Airbnb, pour être sûre que j'arrive quelque part. Et peut-être pour me laisser le temps de trouver un autre appart. Et donc ce premier Airbnb que j'ai pris, la chambre était vraiment petite, c'était un placard. Il y avait un lit simple, il y avait un truc comme, pas une table de nuit, un truc du genre. Et puis yasta, c'était tout. Et en plus, la fenêtre, c'était une chambre sur intérieur. Voilà, c'était vraiment très petit. T'avais vu sur les tuyaux de voilà, et puis l'intérieur, il faisait très chaud, et parfois plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce qu'en été, pouf, l'humidité, comme je vous ai dit. Mais là, franchement, en plus là, ma chambre elle est de bonne taille, j'ai un lit double, j'ai de l'espace, je peux même faire mon sport ici si je veux. Il y a une fenêtre qui donne sur l'extérieur. La chambre que j'ai visitée avant de prendre celle-ci avait aussi une bonne taille, il y avait un lit double, il y avait même un frigo dedans. Mais elle n'avait pas de fenêtre. Voilà, donc quand je suis arrivée ici, je me suis dit, oh mon dieu, il y a une fenêtre. Moi, tu te rends compte que j'ai dit à ma coloc. Et je me suis dit, c'est incroyable, tout le nombre de chambres que j'ai vues, les annonces, c'était fenêtre sur l'intérieur. Ou alors, il n'y avait pas de fenêtre. Bref. Donc, expectations, là, du coup, reality, non. Parce que ma chambre, franchement, bon, c'est vrai, il y a des chambres très petites. Mais la chambre que j'ai moi, franchement, elle est plutôt grande. Prochaine expectations, c'était que je pensais que j'allais être plus active physiquement. Parce que c'est vrai qu'avant de partir en Londres, j'avais... Si j'avais un peu arrêté. Et honnêteté, hein, bien sûr, c'est maître mot de toute parole publique. Et donc j'avais un peu arrêté, là j'ai repris. J'ai même pris une subscription à une gym avant que ça ferme. Et donc j'étais très active, là j'ai repris souvent puisque bah, je suis confinée. Enfin, maintenant que ma cheville me le permet, parce qu'avant le confinement, 3-4 jours avant que nous autres soyons vraiment confinés, n'est-ce pas, je dis ça parce que les gens qui me connaissent vont savoir, enfin mes collègues du coup. Et je suis tombée dans les escaliers du métro et je me suis fait une entorse à la cheville. Voilà, donc ça fait maintenant 2 mois, je ne suis pas encore guérie, mais je peux, après un peu plus d'un mois, sans faire du sport, je peux reprendre. Et là j'ai fait à peu près 4 séances semaine. Et j'ai pris aussi, il y a quelques jours, j'attends ma carte avec grande impatience, l'abonnement du Vélib local, donc c'est le Bissing. Donc le Vélib en France ou les Boris Back, hein, si vous êtes à Londres. Et donc parce qu'en plus je me suis dit, il va faire beau, ça va me revenir moins cher au mois. Et puis je vais mettre moins longtemps avant d'aller pour aller au boulot le matin. Parce qu'au boulot, dans l'habitude, je mets genre peut-être une demi-heure. Reality check, enfin mettre, je sais pas pourquoi je dis check, parce que, non si c'est parce que j'ai mis des petits, voilà, j'ai mis des petits tics là sur ma feuille. Prochain point, c'était que je pensais être plus confiante, donc parler espagnol couramment et être plus confiante au bout de 6 mois et parler couramment au bout d'un an. Ça fait quasiment 10 mois que je suis ici là, je ne vais pas être bilingue dans 2-3 mois, c'est pas possible. Par contre, oui, c'est vrai, la reality, donc tick, check, met, c'est que je suis plus confiante, que j'ai plus, ouais, c'est ça, bref, on s'en fiche du français. Au bout de six mois, ouais, je sentais déjà que c'était vraiment que l'espagnol, ça venait plus facilement, que bah, des fois, je sors des trucs en espagnol, comme en más o menos, océan, ojalá, et tout ce genre de... Oui, je me la raconte. Et ouais, ça me vient plus facilement. Je recherche un peu mes mots, c'est pour ça que je pense pas être... que je serai bilingue d'ici 3 mois, parce que le passé je maîtrise pas encore parfaitement bien, et le passé, le subjonctif et l'impératif aussi qui est un peu bancal, hein. Et sinon ouais, je non, c'est ouais. Mais sinon reality à moitié,
Voilà, donc expectations rated à moitié. Voilà. Et la dernière, c'est que je pensais que les gens aimeraient rendre plus visite. Parce qu'à Londres, il n'y a qu'une personne qui a tenu parole, entre guillemets. La dernière, c'était un peu plus pour rire dans la dernière vidéo, pendant la première partie. Mais ouais, sur toutes les personnes qui me disent « Ah ouais, c'est chouette, tu déménages avant, on va venir te voir en 6 ans, il n'y a qu'une personne qui aime me voir. » Des amis de la France, que je connaissais de France. Donc voilà. Ah, il y a une personne. On se connaissait de France, mais online. On s'est vu. On s'était jamais rencontré. On s'est vu plus de fois que les personnes qui ne sont pas venues. Bonjour Bérangère, je t'aime. Et voilà, bref, Bérangère et Arnaud, voilà, je vous adore. Et là, je pensais parce que j'habite en Espagne, qu'il fait plus beau, que les gens... En fait, je vais dire c'est vraiment cher, mais ça revient en même en matière de prix. Aller plus venir, et puis bah, coronavirus, voilà. Enfin, bref, le travail, tout ça, les gens sont partis en vacances. Mais, coronavirus, donc j'espère quand les frontières vont rouvrir, que les gens vont venir. Enfin, moi, j'ai des amis ici, hein, mais... Ouais, ça fait plaisir de voir les gens, mais de toute façon, non, j'allais dire. Ouais, si ça fait plaisir de voir les gens, mais de toute façon, quand dès que les frontières rouvrent, je vais faire un peu comme tout le monde, comme un peu les abrutis qui font ça en ce moment en France, ils vont voir leur famille, alors que bah, le corona, il est toujours là, n'est-ce pas? Je vais aller voir ma famille, hein, je vais voir ma petite maman, ma petite soeur et ma petite mamie, qui a un fort caractère, et qui veut pas qu'on aille la voir. Mais, bref, on ira la voir quand même, quand le corona se sera un petit peu calmé. Voilà, j'espère que ça vous a fait rire. Si vous aussi vous avez déménagé à Barcelone ou en Espagne en général, dites-moi si vous aviez les mêmes expectations, si votre réalité, donc votre reality est un peu la même. Comment c'est votre vie ici? Comment vous avez vécu le confinement dans ce beau pays? En plus il a fait beau. Quelle chance franchement. Bref, voilà. la prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que ça va être. Si vous avez aimé, bref, revenez quand même. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez sans doute aimer la prochaine, donc il faut revenir. Likez cette vidéo, la partagez même, et puis vous abonnez si le cœur vous en dit. Et puis regardez d'autres vidéos. Et puis voilà. Pourquoi je suis passée au vouvoiement? Je ne sais pas, bref, si t'as aimé, je te revois à la prochaine et puis bah j'espère que tu vas avoir une bonne journée, une bonne soirée et puis une bonne vie. Salut !